alors que les premières neiges viennent de se poser sur les contreforts des gorges des Hujards. Quelques amalgamés se sont donné rendez-vous dans le petit village de Saint-Engrasse, et plus précisément chez Madeleine. Tout spéléo ayant fait de l'explo par la Verna connaît ou doit découvrir ce logis où la chaleur réside surtout au sein des occupants, un peu dans la cuisine et beaucoup dans le cumulus. En 1961, la galerie Aranzadi fut découverte par trois spéologues dans la paroi ouest de la Verna. Dans cette galerie, un affluent arrive, le Maria Dolores. Au printemps 1962, grâce à des mâts d'escalade, les cascades de l'affluent du Maria Dolores sont remontées. En 72, l'amont du Maria est repoussé à plus d'un kilomètre et arrive à la base d'un puits colossal, le Juni. Il faudra attendre 2021 pour qu'une jonction entre la surface et le Maria Dolores soit faite. C'est même trois traversées qui seront réalisées, avec toutes pour entrée Zandaco, Ziloa, et pour sortie le Maria Dolores. Après plus de 60 ans d'exploration, le Maria a encore des secrets à livrer. Dame nature est joueuse. C'est donc pour faire avancer la science que l'on se prépare pour un peu de première, en tout cas aller vérifier des points d'interrogation. Jean-Luc et Vincent, au fond du Maria Dolores, réagissez-moi plus haut au niveau du garde-meuble dans un avion. Ah bah ça y est. On est mort, ça y est. Non. Ouais, le problème, c'est que ça peut finir en ancrage. Parce que... ouais, j'en ai laissé un dans le C110. On y va. On est motivé. C'est ça, il fait beau. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour la science? Ah punaise. Bah, tu sais quoi, rien que d'avoir enfilé ma combi, je suis épuisé. On trouve Mickey et Gérard à l'entrée de la Verna. Qui exposant ses interrogations. Il y a au moins un puits qui n'a pas été descendu. Ah oui, quand même. L'autre, on voit des traces. Ouais. Mais je ne sais pas ce que c'est, ces puits. Je pense que ça va rentrer. Non. En fait, je crois que je renonce. Ah, quoi que. Non. Non. Là, c'est la limite du truc. Facile à dire, non, mais il est marrant, lui. En direction du balcon d'Aranzadi. La lucarne d'arrivée donne dans la Verna, le balcon d'Aranzadi. C'est là qu'on va, dans la faille du Maria Dolores. Voilà, donc on part pour de l'expo. Peut-être de la première, si Dame Nature veut bien nous la donner. On va faire un petit peu de désob avec Régis. Il arrive. Il est un peu en retard, là, derrière moi. Il a tout ça à passer. Pas en retard, comme d'hab. Hein. J'ai essayé de faire la première. Ouais, c'est... On l'attend toujours, là. Il est allé à l'Int chercher du chocolat. Ouais. Moi, je vais pas mettre les pieds dans l'eau. Pas le choix. On va tout là-haut, vers l'infini et au-delà. Et les mecs, ils sont cool, ils ont mis les cordes en avance. Ah ouais? Il est comment le caillou? Un bon caillou! Un bon caillou ça? C'est pas du caillou, oui! Thank you.
première, la topo au caillou. Exploration, comme dirait Garcimore. Des fois ça marche, des fois ça marche. Cette fois-ci, ça a pas trop mal marché. Arrêt sur rien, avec un beau puits qui part. Il faut retourner voir. 2 heures après. Chez Madeleine, c'est bien, mais pas le chauffage. Et après chaque sortie, arrive le moment du partage. De la bière, du saucisson et de l'explo avec les amis qui étaient présents. Des blocs, des machins de charriage, de broyage, enfin de...